Salut la compagnie. J'ai flivé déjà. Je suis leur pro. On est parti pour faire une ouverture de feu display EB8 prochainement, F8 en japonais, avec du miou 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 miou, et on espère beaucoup de miou. Allez, on va voir ce que ça donne après l'intro. Allez, c'est parti pour tout ça. Yo yo yo. Allez, c'est en mode lourd. Ce display là s'ouvre mieux. J'ai un display qui s'ouvrait pas très bien. Enfin, tu vas me dire, ça se trouve, ouais. Ça va être au deuxième que ça va changer. Allez. Ouais, il n'y a pas d'énergie sur ça. Les éponges, l'escargot, le miasme que j'aime bien, le chrysapide que j'aime pas du tout, et un latias. J'ai toujours du mal entre le latias et le latias. Bah, de mémoire, le latias c'est le rouge et le latio c'est le bleu. Ouais, bah, moi je suis confus. Chaque fois je sais plus lequel est l'un ou l'autre. De mémoire, mais je peux me tromper aussi. Alors, une foulure d'eau. Je n'ai jamais compris ce côté-là. Galva gras ou choc 3. Non plus. Kitty. Ouais, c'est bon. Le cocon baf. Et la première holo de Staros. Staros. Alors, c'est une série. C'est une série qui est, qui est plus grosse que les autres. Puisque pour Staros tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Bah Starry. Ou pas. Parce que Starry aura évolué en Staros. Star Caros, ouais, vas-y. Donc ouais, je disais que c'est une série qui a un peu plus de cartes que d'habitude. Vous voyez, il y en a 100 contre 50, 54, 60 en général sur une série classique. Et puis bah, là pour le coup, il y a plus de VMAX. Plus de VMAX. Voilà. De l'eau. Et d'ailleurs, il me manque actuellement. Oups, bah si, il y avait bien une autre carte. Le canon. Bah oui. Et tout ça pour les canons. Il aurait pu tirer son trou. On était électrisés. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais pour le coup, il me manque une sucrène. Et en V. Une mu-V. Et puis. Et quelques holos, je crois. Et puis. Non, je crois que les holos, on les a toutes. Par contre, si j'ai l'alternative dessus, je la mets de côté. Voilà. Tac. Tac, tac, tac. Et une petite holo. Oh, bah ça, l'arsène. J'aime bien. Ouais. Forme grave, je crois, la bleue. Ouais, de toute façon, tout est grave. Ouais, comme nous. Allez. Hop. Joli booster. Joli booster, ouais. J'ai commencé à acheter mes boosters vintage. Ça va être bien ça aussi. Ouais. Bon, c'est pas forcément pour ouvrir. J'aime bien là, cet effet là. Très joli. Du HS. Puis on a ouvert du XY aussi. Oui, ouais. C'est une vidéo qui est prête mais qui n'est pas encore mise sur la chaîne. Je pense qu'elle viendra à chaque moment. Alors... À n'importe quel moment qu'on pensera que ça sera bon. Voilà, c'est ça. On a tellement de vidéos de côté. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on ouvre plus que... Qu'on puisse décharger. Qu'on arrive à mettre sur la chaîne, et puis sans compter qu'il faut quand même que je monte aussi les vidéos, donc ça prend quand même pas mal de temps. Donc tout réuni, bah, ça fait que vous envoyez déjà 3 ou 4 par semaine, ce qui est déjà pas mal. Et voilà, on va pas en mettre une tous les jours, donc... hop, ça peut rock, j'aime beaucoup. L'évolution de Mona. Zigzaton et... À première, une VMAX. Va tout seul parce que j'ai pas sûr que ça soit qu'une VMAX. Moi aussi, et j'espère. Je crois c'est que c'est la Mew. Je crois qu'elle est rose, elle est Mew. Tant mieux. Et oui, cool. C'est un bon display. J'ai eu du mal à avoir dans l'autre display la Mew. Ouais. Il manque la chandelier là. Maintenant, j'aimerais bien avoir la chandelier. Mais je suis trop contente de l'avoir. Même si c'est une double, je suis trop contente de l'avoir là. Franchement, voyez, trop belle cette carte. J'adore. Elle est magnifique. Elle est presque mieux en Mew VMAX comme ça que l'alternative, je trouve. Mais bon. Je me sens foiré un peu sur les V alternatives et VMAX alternatives. Ah, la V est quand même pas mal. Mais la VMAX aurait pu être tellement mieux, quoi. Bah oui, surtout Mew. Moi, j'aurais mis sur un ciel étoilé ou un truc comme ça. Ouais, enfin, il y a des trucs tellement beaux qu'on aurait pu faire vraiment, vraiment mieux. Bah, juste l'illustration comme ça, ça donne bien, tu vois. Oui, oui, effectivement. Mais justement, ils auraient pu faire une VMAX alternative.
moins proche de la VMAX classique. C'est surtout ça. Je trouve que c'est trop... Elle est magnifique, ça. Et voilà, Colorior, une simple carte qui est tellement belle. Ouais. C'est bon, je me répète un peu parce que je crois que je l'ai dit dans une autre vidéo, mais bon. Toxizap aussi, que j'aime beaucoup. Michuyo Shiro Arita. Je sais. Désolé pour... la prononciation French. Et là, c'est Kodama. C'est pas mal aussi. Elle est pas mal. Il va falloir que je fasse vraiment attention un peu. Ouais. Là, franchement, on enchaîne 4 cartes. Je trouve que elles sont toutes belles quoi. Le Caminus, l'Arcanin. Non, c'est vraiment des belles illustrations. C'est beau, une belle carte. Ouais. Des cartes simples comme ça, moi je trouve qu'elles peuvent être très bien, aussi belles que... Bah, après, c'est pas le même effet, pas le même brillant, pas le même. Pas le même potentiel. Oui. Ah, ça oui, bon, je sais, tu la veux. Canenos, Charpignon. alors c'est le petit, c'est Fantir, non, parce que je voyais pas bien. Ah, laquelle? Ah, Genesect. On l'a pas souvent. Bah oui, elle sort pas si souvent que ça, je crois. C'est bien. Première pour l'instant, ça me plaît bien. Oui, moi aussi. Je trouve sympa, cette Genesect. Elle est jolie. Mais après, c'est pas un Pokémon qui est très apprécié, ouais, mais... C'est toujours beau, hein. Ouais. Ils ont voulu mettre du Gundam dans mon Pokémon. C'est vrai. Exadron. Snubbull. Je sais pas. Vostourno. Vostourno, c'est le petit, je crois. Celui-là. Ah, c'est peut-être ma sucrène. Ah, yes. Cool. Il me faut la petite nuvée, hein, s'il vous plaît. Hein. Je complète déjà, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Moi, mais elle est pas mal. Moi, j'aime pas. Bon, c'est un Pokémon, on n'aime pas, mais... Ouais, j'aime pas, je trouve ça bidon. Je déteste pas, moi. Attends, elle ressemble à rien. Bah, tout le monde n'a pas des jambes comme ça, hein. Ouais, bah, attends, une épée à la place des jambes. Ça, je sais plus de quel manga c'est tiré, ça. Il y a quand même... Ouais, il y en a. Je crois que c'est Claymore, c'est un vieux manga d'il y a 20 ans. C'est des femmes qui étaient en monstre et qui... pouvaient transformer les parties de leur corps en armes et tout. Possible. Je vois plus là comme ça, mais bon. Ah, notre holo. Ah, bah je l'ai eu qu'une fois celle-là, donc je suis pas mécontente. Je suis un peu fatigué de Ixion. Ouais, Ixion de Galar. Ils la mettent trop souvent en holo. Donc, ouais, mais c'est parce que ça fait partie des Pokémon phares des pays boucliers, donc. Bah ouais, mais bon, c'est fatigant. On a quasiment une par collection. C'est un peu pareil avec Salarsen, hein. Ouais, c'est vrai. Mais j'aime. Pourtant, c'est des belles cartes, hein. Mais. J'aime bien. J'aurais préféré autre chose, tu vois. Le gros grelot. Ouais. Non, tais-toi. C'est pour la. Non, c'est. Oui. C'est à l'approche de Noël, c'est pour ça. Rakayu. Bon, il y en a qui aiment pas. Ding dang dong, ding dang dong, ding dang. On est des cloches, c'est pour ça. Ouais. Ouais, je sais bien. Ouais. Et tu vois, Rose Abyss, je la trouve très belle, cette illustration. Pas plus belle que ça. Bah, après, c'est dans l'esprit de cette collection à Sudbury, hein, quand même. Ouais, mais en fait, on a l'impression que c'est un fantôme de poisson. C'est pas faux. Parce que tu vois, c'est un sort d'espadon, mais sous forme fantôme. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'ils sont pas allés chercher loin. Hein. C'est pas faux. Alors, Plumeline en forme je sais plus laquelle. Skitty. En forme. Je sais pas, il est chenipan. Chenipan, pampan. Un flamanoir. Et. Ah, une rouge. Ah, ça peut être la chandelier. Ah oui, j'aimerais bien l'avoir en VMAX. Ouais, j'aimerais bien l'avoir. Vu qu'on l'a là. Ça peut nous laisser plus de chance. Parce que souvent. Souvent, on a remarqué, on a. La V avec la VMAX. Voilà. On a eu déjà la Mew VMAX. Celle-là, ça va être compliqué. Hein. C'est compliqué. Celui-là, ah, ça y est, il vient. Oh là là. Oui, l'opération a été faite. Il est encore en vie, plus ou moins. Il a un peu morflé quand même. Ouais, bah, je crois qu'il n'y a pas que ça qui est morflé. Hop, Rakayu. Rakayu. Miamiasme. Miamiasme. Champignon. Et hop, c'est celle que j'aime bien, de Lansorien. Ben. Oui, c'est Lansorien. Ouais, je crois. Oui, je me mettais un doute. Ouais, elle est jolie. Bah alors, si c'est Lansorien, c'est quoi? C'est Larsen. C'est Larsen. Moi, j'ai un doute là, j'ai mélangé là d'un coup. Il faut arrêter de protéger. Non, mais ça va là, oh, ça t'arrive pas toi de mélanger d'un coup? Il y a tellement. Bon, Vivaldin, hein? Non, c'est pas Vivaldin ça.
tu vois. Bah si, il me semble. Non. C'est pas, pas Vivaldin, Viridium. 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 Ouais. Ok. Prisonnier. Vivaldin, c'est le petit, et Aydin qui est... Ouais, c'est plus les, ouais. Les petits fonds, là. Hop, voilà, c'est bien. Le fantôme d'Espadon. Le fantôme d'Espadon, ouais. C'est l'évolution de Coquille Perle, ça. Ouais, ouais, bah... Coquille Perle... Allez, ça y est, on est reparti. Ah, ça y est, je l'ai eu cette fois-ci. It's quick, it's quick. Oh, hop. Ça fait mal. Tout m'a martyrisé. Oui, oui, oui. Bon, on sait, on est con, mais au moins, hein, y en a qui aiment, qui aiment pas. On l'assume. Corneille, je crois, avec son caillou. Et laquelle? Oh oui, cool. Yes. Yes. Elle a son alternative. Elle est jolie. Elle est magnifique. Elle est jolie. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Elle est sublime. Ah yes. Je l'ai pas encore vue, mais elle est sublime. Ah, elle est trop belle. J'adore cet effet là, un peu. La comment foulard, dire, la prisme ou le graphique aussi, hein. Elle est dans le même acabit, hein, je crois. Ah bah, je serais contente de l'avoir, ouais. La foulard, hein. Alternative, oui, et oui, puis ouais. Normal aussi. Quitte à choisir, on tape dans l'alternative, parce que acheter, c'est plus cher. Voilà. Parce que bon, c'est pas qu'on parle de prix, mais c'est juste qu'on aime. Toujours, on aime bien collectionner. Quand on aime bien collectionner, on est obligé d'essayer de voir les prix pour pouvoir compléter. Et voilà, et donc c'est pour ça. Nouveau paquet de Steam. Allez. Un de plus. Hop, et ah, une VMAX. Oh, c'est la bonne. C'est la bonne, cool. Je l'adore en plus. Je la trouve vraiment super belle. Elle est sublime. Ah, yes. Pour un chandelier. Ouais, je trouve qu'elle est très très belle. Elle est sublime. Cool. Pour moi, elle vaut la Mew VMAX. Bah, niveau dessin. Niveau dessin, oui. Et après, c'est pas vois, la même chose. Mew, elle est belle, mais là aussi, elle sublime. Ah bah moi, je trouve l'effet qui sublime. J'adore l'effet. Et pourtant, j'aime pas ce chandelier, hein. Mais mis dans cette situation-là, c'est une magnifique carte. Ouais, je la trouve vraiment très très belle. Parce que tu vois, la V, je suis pas plus fan que ça. Hein. Non, la V est moins belle. Quitte à choisir la V, je préfère vraiment la V Mew, ouais, qui est vraiment très très mignonne. Sublime, ouais. Qui est vraiment superbe et bien mise en situation. Mais alors là ouais, on... c'est une belle voilà, c'est super. Oh, tu me la donnes, cette VMAX alternative de Mew. Ouais. Ou la V alternative de Mew qu'on a vu ouvert en français. Elle se reconnaîtra. J'ai bavé, hein. Je suis ouais. Jaloux. On a quelqu'un que vous connaissez bien, que vous avez déjà entendu son nom sur la chaîne, qui a eu la V alternative de Mew. Donc, ouais. Elle se reconnaîtra. Elle a eu de la chance sur ce coup-là. Corayum, Rototope et... Plumeline, qui est donc en forme holographique dans les kits d'AP. D'accord. Ouais, okay, on en a. Right. On a plusieurs là, en fait. Ils ont pris certaines dans les kits d'AP. Hop là. Tu sais quoi, j'avais vraiment un pressentiment sur une alternative. Je me trompe peut-être. Mais On aime bien avoir des pressentiments. Ah ouais, mais je le vois depuis ce matin. Enfin, je dormais ce matin, mais. C'est l'évolution de Mumuscule, Diplodocus ou un truc, je sais plus quoi. Cette petite Sapero, je la trouve tellement chou. Je la trouve tellement chou. Forme girly. Ouais. C'est qui l'illustrateur? Tiens, on va regarder parce que. C'est pas sûr. Ah, c'est Sui. Ah bah oui, Sui. On l'adore. Tu vois, je te l'ai dit, je ne savais pas. Hein. J'adore cette illustratrice, c'est, elle est très très bien. C'est vraiment la seule que je connais. Et puis, ouais, moi aussi. Non. Un dresseur. Non, une rainbow. C'est peut-être un mieux. Une rainbow. Rainbow. Non, c'est une dresseur. Dresseur, oh. C'est pas le meilleur. Oui, on peut avoir une double. Hein. Bon, on peut avoir une double, de toute façon, on va ouvrir le reste. Non, tu l'avais pas déjà. Je l'avais pas, c'est déjà ça, mais bon, c'est vraiment les alternatives, enfin les foulards que je voulais pas, quoi. Bon, pas plus solo à me dire, mais moi. J'aime bien, mais bon, après, c'est sûr que j'aurais préféré qu'on droppe la fille. Hein. Ouais. Celle-là en alternative, enfin en V, en foulard, ça aurait ouais, voilà. Kiffé. Hein. On aurait vraiment plus kiffé. Ouais. Et puis aussi dans le genre... bon, même en Rainbow, on l'aurait plus kiffé. Bon, après, peut-être qu'on aura enfin un doublé, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu un. Ouais, je le sens bien. Pourquoi pas. On va garder la chance jusqu'au bout. Limaspeed. Parce que là, on est bien parti pour ton jeu de display. Bon, je suis quand même très content que même si j'avais que celle-là, je serais quand même très content de l'ouverture. Parce que on a complété. A bon, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas les foulards que je veux, mais... Miamax, qui est pas si mal que ça pour une fois sur une carte, même si j'aime pas le Pokémon. Moi non plus, c'est le Pokémon poubelle, mais pourquoi ils l'ont créé? Fermite, toi tu l'adores cette carte? Moi j'aime bien. Mumuscule qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment nul cette carte.
On a l'impression que c'est moi qui l'ai dessiné. Pour vous dire. Et une holo. Ah, j'aime bien la ligature, elle est jolie. Elle est sympa. Elle est... Il y a du potentiel tueur là-dedans. On a eu combien de V là? J'étais en train de 1, 2, 3, 4. Ouais. Il va me manquer surtout des holos. Ouais. Je pense que là tu vas enchaîner les holos. Holo, oui. Holo. Holo. Moi, moi, on va dropper une fois et depuis elle n'arrive plus à s'en sortir. Non, ouais, c'est ça. De temps en temps que j'arrive à m'en débarrasser, mais pas souvent. Mm. Zigzatan, Mouna et Paolo. Paolo. Il s'appelle Paolo celui-là, ouais. Paolo, les Santos. Des la Vega. Des Fernandez. Ouais, des Fernandez aussi. Des Santos. Pour, on rigole de ça, on est d'origine portugaise. Donc, vous inquiétez pas. C'est ça, hein. On peut se permettre, entre guillemets. Ouais, non, parce qu'il y avait certains. Ouais, Mimi-Sange. Non, 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 au contraire. C'est plus parce qu'on nous l'a fait, on nous le sort à nous. Stélix, forme idiote. Ah ouais, regarde-le, il s'est pris un coup un punch dans la gueule, il a plus de dents. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Il a. Et ça fait vraiment nier, hein, je te jure. Ouais, ils l'ont pas mis en valeur celui-là. C'est vrai qu'il fait. Je suis désolé, mais là, pour un Pokémon badass, ils l'ont foiré là. C'est vrai. Après, il y en a qui vont dire que je suis la gamine. Ouais. Attends, attends. Bon, là voilà, c'est bon. J'adore celle-là. Très belle aussi. Mm. Très bien, mais c'est qui aussi? Ça me fait penser à chaque fois son nom, c'est au Skittles. Kiris Aski, d'accord. Au Skittles. Skittles. Bah... On parle de bouffe aussi, hein, ça se voit pas. Mais pourtant, il a mangé avant la vidéo. Ouais, mais bon. Hop. C'est le nom qui ne. Bon, je crois qu'hélas, ça sent mal la deuxième foulard. Hein. Ouais, pourtant, avec les rainbows, ça peut arriver, une deuxième foulard. Mmh. Donc, ce serait top. Ce serait tellement top. Je prends n'importe laquelle. Malgré tout, je prends n'importe laquelle. Mmh. Bah, l'autre évolution, là, du fantôme. Fantôme. Chenipan. Prise d'acier, oui. Et puis. Ah oh, Latios. Forme bizarre. Forme de bizarre. C'est toi qui es bizarre. Allez, hop. C'est mon rêve. Ah non, je crois que tu l'avais pris la dernière fois. C'est possible. Bon. Ouais, je crois que tu l'avais. Bizarrement, dans mes collections, j'ai pas beaucoup de dresseurs en double. Corallium de Galar. Corallium, lequel est le plus petit? Je sais plus. Je crois que c'est Corallium de Galar. Et Corallium, ouais. Je crois que tout à l'heure je m'étais trompé, j'ai dû dire Corallium au lieu de. Je sais pas. Corallium. Corallium. Allez, on sait jamais. Sur de la chance ou pas. Belle de neige. Charpignon, je crois. Frissonil. À Flamme Noir et au moins une holo. Ah, Papillusion. Ben voilà. Qu'on a déjà droppé. Qui est une jolie holo. Voilà. Ça me fait penser à chaque fois. T'es quand même chanceuse pour dropper des dresseurs, toi. Ouais, c'est vrai. T'es tout le temps des dresseurs ou des gars. Moi, je chope souvent des dresseurs. Ouais. Hein. C'est vrai que moi, j'aime bien les Pokémon, mais c'est pas ce que. T'es plus abonné aux dresseurs ou aux gold. C'est vrai, souvent. Ouais. C'est plus souvent ce que j'ai que. Là, tu pourrais dropper la foulard de Mew, t'en as plein d'autres, mais non. Bah non. Jamais. J'ai pas eu Fulgudog, j'ai pas eu. Non, je chope quoi? Moi, des dresseurs. Bon, bah écoutez. En tout cas, malgré tout, je suis super contente parce que j'ai complété la collection. Donc, moi, maintenant, il me reste plus qu'à acheter mes foulards à côté. Ouais. Sûrement, parce que je sais pas si je rouvrirai un autre display de cette série. Je pense pas. Il y a peu de chance. Donc, on ouvrira en français après. Voilà, on va ouvrir en français. Et en plus, en français, il y a plus de cartes. Donc, Une petite mentalité max alternative que nous, on a en japonais. L'ectoplasma, moi, que j'ai pas fait parce que c'est dans les decks. Donc, ça peut être très sympa de les retrouver. Donc, on verra. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez aimé. On se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres ouvertures. Ciao, ciao.